Coucou les gars et bienvenue dans un nouveau vlog. On est encore dans les travaux et cette fois j'avais envie de trier ici parce que c'est un bordel monstre. J'ai trié et du coup je vais rajouter des étagères. Voilà, truc classique, basique, et j'utilise les chutes des meubles que j'ai utilisés. Voilà. Donc on avait arrêté le dernier vlog avec du bricolage, on recommence avec du bricolage. Bienvenue dans un nouveau vlog. Coucou les loulous. Je suis contente de ouf parce que j'ai bien taffé aujourd'hui. J'ai l'impression que je dis ça dans chacun de mes vlogs. C'est un peu compliqué l'histoire. Mais ouais, au niveau des étagères, c'est grave cool. J'en ai mis 3 en fait supplémentaires. Je vous montrerai ça demain. Je vais dire si ça vous intéresse, mais vous allez pas me dire si ça vous intéresse ou pas. Étant donné que le vlog ne sera pas encore en ligne. Donc voilà. J'ai hâte d'avoir un canapé parce que je suis assise par terre. Vous êtes pas prêts. Les gars, je voulais vous faire un petit aparté pour vous parler d'un produit que j'ai reçu. C'est une collaboration payante. Je suis honnête et transparente avec vous. Même pour vous dire que je vais toucher 50€ grâce à ce placement de produit. Et je sais pas si c'est bien ou pas, si c'est pas bien. Bref, petite pub pour Ultanic. Donc, grosso modo, j'ai reçu cette montre connectée là. Hop. Comme ceci, c'est un vendeur Amazon qui m'a contacté directement et qui m'a proposé cette collaboration. J'ai dit oui, à la base je crois qu'on était parti sur un autre produit mais il n'était plus en stock. Et du coup, vous aurez le lien en barre de description. Alors désolé, je suis fatiguée de ouf. Mais vous aurez le lien en barre de description et ce vendeur fait d'autres produits high-tech pour information. Donc j'ai reçu cette montre connectée. Quand vous la recevez, classique, basique, petit emballage, tout ce que tu veux, bang bang bang. Petit câble des familles qui va bien. Hop, petite protection. Oh, c'est quoi ça? Il y a des espèces de petites vis. Je sais pas trop ce que c'est. Les petites vis comme ça. Je sais pas ce que c'est. Et t'as un petit mode d'emploi que je n'ai même pas. Je n'avais même pas vu qu'il y avait un mode d'emploi parce que c'était assez facile et assez intuitif. Grosso modo, j'ai téléchargé l'application. Ça prend 2-33 mouvements. C'est pas une application. Il y a des publicités parce qu'une fois j'ai testé une montre, il y avait des publicités. Donc voilà, nickel chrome. Je l'ai porté 3 jours avant de vous en parler et avant d'avoir un retour là-dessus. Alors elle se présente comme ceci. Alors attendez, parce que je l'ai personnalisé. J'ai mis mon petit logo de pute. Ça fait bizarre de dire comme ça. Mon petit logo, tu vois, avec les petits canards. Donc du coup, tu peux la personnaliser. Tu peux personnaliser le fond d'écran, les couleurs et tout ce que tu veux. Elle est comme ceci. Hop. Elle est comme ça. Hop, en rose, le bracelet. Ah, ok! C'est pour changer les bracelets, les petits tire-kiki. Ok, donc les bracelets peuvent se changer. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que là, il y a des petits tire-kiki. Comme ceci. Donc ça, c'est cool. Donc je pense que tu peux les trouver. Ah ouais, je pense que ça peut être des bracelets standards. Bon, après, faut voir la dimension des trucs. Mais après, tu peux les trouver peut-être sur le vendeur. Et les petits accroches sont dorées. Légèrement rose gold, mais c'est plus doré. Et là, par contre, c'est rose gold. Donc, elle se présente comme ceci. Hop, et ici, t'as le cadran, c'est pour tes battements de cœur. Enfin, t'as l'affichage pour les battements de cœur et tout ce que tu veux. Et là, c'est tout doux. C'est tout doux, tout doux, tout doux. Alors, ce que j'ai envie de te dire, alors, je n'ai pas couru avec, je peux pas vous dire, nanana, le rythme cardiaque, les machins, comment ça se passe, les tulipes. Moi, je me suis juste restée sur mon utilisation à moi personnelle et ce que j'attends, moi, d'une montre connectée. Donc, peut-être, vous, c'est pas forcément ce que vous attendez d'une montre connectée. Grosso modo, au niveau du... comment dire, de l'affichage, c'est assez simple, ça se présente comme ceci. Toi, tu balayes l'écran comme ceci. Tout simplement, la petite navigation. Et donc du coup, tu as réveil, minuterie, chronomètre, méditation, musique, santé des femmes, météo, message, OS, sommeil, radio cardiaque, hop, méditation, j'ai déjà dit, caméra, trouver un téléphone et réglage. Caméra, j'ai même pas testé ce que c'était. Est-ce que ça se branche? Non, j'ai pas testé. Voilà, je vais pas vous dire des trucs que je n'ai pas testé, ça sert strictement à rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que du coup, je l'ai porté pendant. Alors, déjà, moi j'ai un poignet assez bon, normal, on va dire, mais j'ai pas un petit poignet, tu vois. Donc, elle est assez imposante. Ce qui est dommage en fait, c'est que ici, tu vois, tu as le contour et que du coup, bah, l'écran il commence à l'intérieur, tu vois. Ça aurait été cool qu'ils aient une version plus petite et que l'écran, bah en fait, la montre soit directement. C'est qu'il n'y ait pas ce contour en fait.
ce contour noir, ça c'est un petit peu dommage. Et si vous avez un tout petit poignet fin, elle est pas faite pour vous, sauf si vous aimez bien les grosses montres, là ça fonctionne. Mais voilà, si vous avez un bracelet, je crois que le mien il fait entre 15 et 16 de circonférence, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, si vous avez un plus petit poignet que moi, sauf si vous aimez bien les grosses montres, ça va pas le faire, parce que tu vois c'est quelque chose d'assez imposant. Mais par contre c'est assez imposant, mais c'est une montre que je ne sens pas, enfin je la sens les 3-4 premières minutes et après je la sens pas, c'est assez chelou. Et la dernière fois je me suis fait la réflexion, j'étais penchée chez le coiffeur, je l'avais, je me suis dit c'est chelou, je la sens pas en fait, c'est trop bizarre, parce que franchement elle est imposante. Il y a plein de réglages différents, donc ça c'est plutôt cool, tu vois, elle peut s'adapter à tous les poignets différents. Mais un petit truc que je lui reproche en fait, c'est que du coup j'ai, alors après je suis pas allée dans les paramètres, les machins, les trucs, c'est que des fois en fait quand tu veux regarder l'heure, elle a un petit temps d'adaptation. Toi t'es obligé de faire ça des fois, je sais pas si, enfin genre on va dire que je parle, nanana, est-ce qu'elle sait bien ça, tu fais ça, voilà, un tout petit temps d'adaptation, mais voilà c'est pas grand chose. Et du coup quand tu conduis, alors voilà je pense qu'il faut que je regarde les paramètres, mais quand tu te conduis bah du coup elle a tendance à être s'éclairer très rapidement, donc c'est un peu déstabilisant, parce que quand tu conduis la nuit c'est un peu durée de l'écran, ouais, lever le bras, voilà, lever le bras. Ok, bah là tu choisis combien de temps tu veux que ça dure. Mais voilà, quand t'es en train de conduire en voiture, c'est un peu déstabilisant. Et après, toi, de régler les réglages. J'ai entendu un bruit bizarre. Donc voilà, par rapport à cette montre-là, par contre, ce que je peux vous dire en fait, c'est que au niveau... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Un enfant qui se réveille. Faut pas que je parle trop fort ici. Faut pas que... Ça va. Il y a un enfant qui se réveille, j'arrive. C'était mon chouki qui a fait soif. Trop mignon. Trop mignon. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Au niveau... Alors, j'ai juste eu besoin de la régler et télécharge l'application. Et ensuite, quand tu télécharges l'application, il te demande de lier ta montre. Là, tu as un petit QR code sur l'application. Tu scannes le QR code et c'est bon, ta montre, elle est associée. Donc, c'est nickel chrome. Ce qui est cool, en fait, c'est que tu peux facilement, du coup, mettre des écrans en favori. Donc ça, c'est plutôt cool. Mettre des photos personnalisées. Moi, c'est ce que j'aime bien sur les montres. Ça, il n'y avait pas dans plusieurs montres que j'ai testées. Et ce que je peux vous dire, c'est que une fois qu'elle a été calibrée, et là elle l'est encore en fait, c'est pas genre tu dois la, tu sais, genre tu vas la poser, tu vas arrêter d'utiliser, tu vas plus avoir son téléphone, et quand tu reprends des fois t'es obligé de la resynchroniser, donc ça c'est assez chiant. Mais là tu vois, je l'ai pas portée pendant 2 jours et je reviens dans la pièce, nickel, elle est voilà, elle, direct j'ai reçu un message, ça s'est affiché sur la montre, donc ça y a aucun souci. Au niveau des appels, c'est bizarre parce que du coup ça m'a pas fait genre Johnny est en train de t'appeler, tu vois, il y avait le numéro de téléphone mais il n'y avait pas le nom de la personne, alors que quand j'ai regardé mon téléphone c'était quelqu'un que je connaissais. Mais par contre au niveau des messages, au niveau de WhatsApp et au niveau de certaines notifications, alors il n'y avait pas Vinted mais il y avait d'autres notifications, et bah ça s'est affiché directement sur ma montre, et WhatsApp s'est affiché sur ma montre, donc ça c'est très 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 bien, parce que par rapport, tu vois, par exemple une Apple Watch, quand tu as des messages WhatsApp, moi personnellement j'ai pas de notification sur ma montre. Donc ça c'est un peu relou, mais voilà, les messages, les notifications WhatsApp, les téléphones, il n'y a eu aucun souci là-dessus. Donc c'est plutôt cool, donc je suis très contente de cette petite montre, tellement contente de cette petite montre que je me tâte à la garder. Mais faut pas que je les garde toutes, donc peut-être que je vais la garder pour le moment et que après je vous l'offrirai dans une vidéo, tu vois, une vidéo, pourquoi pas un concours de Noël et ce genre de choses. Mais franchement elle est très très bien, voilà, je te la conseille si t'aimes bien les montres rondes et si t'aimes bien les montres pas imposantes, mais tu vois vraiment ce que je veux dire. Et hop, je vais l'éteindre, goodbye. Et franchement le design est assez sympa, donc merci à la personne qui m'a envoyé cette petite montre, et vous aurez tous les liens en barre de description si vous souhaitez l'acheter. Comment elle se range? Ok, je vais la ranger comme ça. Donc ouais, j'en suis plutôt très contente de cet petit objet. Maintenant du coup, je vais vous montrer. Hop, je la range. Maintenant du coup, ouais, pourquoi pas un petit cadeau Noël. Ça peut être chouette. Alors maintenant du coup, je vais vous présenter des articles. J'ai encore fait du tri. Des articles que je vais mettre en vente sur mon Vinted, tout simplement. Je vous montre ça en vrac. Et je vais faire les photos juste après. Mais ouais, il y a pas mal de choses. Je pense que je vais faire des lots. Le premier, cette petite figurine. Comme ceci. Hop. Oh, j'avais de la pâte à fixe derrière.
attaché, ça va coller. Je pense que je vais faire des lots pour les enfants et tout, parce que ça va être un peu, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, une petite figurine comme ceci en plastique. L'eau pour les enfants et de la pâte à prout, des autocos. Ok, super, il n'y a pas d'autocos. Mais il y a de la pâte à prout, il y a des stickers, il y a des petits stabilos. Tu vois, ce sera dans un lot. Il y a ces crayons-là, bon, qui j'avoue sont défoncés de ouf, mais qui peuvent éventuellement servir. C'est des crayons, en fait, c'est des crayons, enfin, c'est des... Ouais, tu peux écrire avec ça, en fait. Mais voilà, ce sera un petit lot. Après, ils sont pas en super bon état. Chouki les a défoncés, mais à l'origine, ils sont comme ceci. Ils sont comme ça. C'est mon frère qui avait acheté ça. Franchement, ils sont plutôt pas mal. Hop, ouais, ils sont en bon état. Ensuite, j'ai deux petits crochets comme ceci. Cul de chat. Crochet, cul de chat. Hop, que j'avais acheté à Ikea il y a super, super, super longtemps. Mais c'est plutôt mon style. Donc voilà, dans le petit lot, il y aura des surligneurs, des petits carnets comme ça. Ce livre-là, tu sais, c'est un livre où tu dois gratter. Enfin, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. T'as ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment, t'as un stylo, mais j'ai pas le stylo, mais en fait... Je suis bavée dessus. Non, c'est dégoûtant. Mais grosso modo, quand tu mets de l'eau, bah ça change de couleur. Ça, c'est sympa. Pour avoir l'impression de peindre sans peindre et sans en foutre partout. Tu vois un peu l'idée. J'ai un ballon comme ceci. Licorne. Et j'ai un chiffre 3. Je vous montre ça rapidement. Chiffre 3. Voilà, j'avais perdu. Je savais pas du tout où était ce truc. Il y a ce jeu-là. Au final, les enfants sont un peu petits pour jouer à ça. Hop, ce jeu-là que j'avais acheté il n'y a pas longtemps chez Action, je crois que je l'avais acheté en Belgique, si je ne dis pas de bêtises. Hop, encore un petit carnet. Encore un petit carnet. Hop, j'ai un pot comme ceci, ça c'est des pots basiques de chez Ikea. Je pense que toutes les youtubeuses les ont. Enfin, à l'origine, c'est un cache. J'allais dire, je vais m'en servir pour comme cendrier, mais il est trop beau. Comme cendrier, c'est un cache-pot, mais il est trop beau. J'ai ce t-shirt-là que j'ai voulu mettre tout à l'heure. En fait, je n'aime pas le côté... Tu vois, j'aime pas trop. Donc ce petit t-shirt là que j'avais sur Chine. Il y a une des girafes parce que j'en ai deux des comme ça. Donc enfin, on en a trois en tout. Cette girafe Natou, pour information. Alors si vous attendez une petite fille, franchement, ça me ferait plaisir de ouf de la vendre à quelqu'un qui attend une petite fille. Parce que cette girafe là, pour la petite histoire, c'est la girafe que j'ai achetée à la naissance. Enfin, la petite était encore dans mon ventre. Je vous avais d'ailleurs fait un haul où elle était dedans, tu vois. C'est la girafe Natou qui ne se fait plus et que j'avais galéré de ouf à avoir. C'était le doudou de ma petite, c'est son premier doudou. Maintenant, elle a une autre girafe dans le même style, Natou aussi. Mais voilà, cette girafe, elle l'a depuis la naissance. Donc, elle est en parfait état. Elle est comme neuve. Hein. Je l'avais... Enfin, c'est pas celle-là. Du coup, ma chouquette, elle a sa girafe. J'en ai. On appelle girafie. C'est girafie, ok? Elle a sa girafie, elle a une autre girafie de secours, et moi j'ai celle-là. Parce qu'une fois on avait perdu la girafie, je lui avais donné la girafie de secours, et donc du coup j'avais acheté une autre girafie de secours, tu vois. Donc celle-là c'est la secours bis. Mais voilà, maintenant elle aime une autre peluche. Mais voilà, si t'attends une petite fille ou un petit garçon, et ben ça me ferait grave plaisir que t'achètes cette petite girafe. Elle est trop belle, j'aime trop. Et elle se fait plus. Voilà, c'était Natou de chez... c'était chez qui que j'avais acheté ça? Aubert, je crois, si j'ai pas le bizarre, je suis comme ça. Il y a deux panini qui sont absolument pas complets. Pas de patrouille et Reborn surprise, je sais pas quoi. J'ai tellement la flemme de faire les photos, frère, t'es pas prêt. J'ai un petit panier comme ça, avec des poules. Hop. Avec des poules. Voilà, un petit panier. Hop, ensuite, oh, j'ai tellement bordel. On a ça, je sais pas si ça intéresse quelqu'un, franchement j'en sais rien. On a un chemin de table, je le trouve super joli et je me tâte à le garder. Franchement il est trop beau, de ouf, mais je ne vois pas où je... Voilà, sur mon bureau. Je sais pas si je vais garder, il faut que je fasse des tests. Mais il est super grand, bon, du coup je devrais le couper, je vais voir, mais je le trouve super joli. Très très beau, mais je sais pas si ça va aller avec mon design, tu vois. J'ai un autre petit, genre j'en suis comme ça, je le mettrai avec si je vends ça. En fait je m'en servais pour mettre sur mes étagères. Ensuite j'ai un petit réveil comme ça, je l'ai retrouvé, je savais même pas que j'avais ça. Un petit réveil comme ceci en gris, trop joli. J'ai ça que j'avais acheté il y a pas mal de temps, on est un petit peu abîmé là, mais grosso modo c'est un faux livre et c'est un coffret. Voilà, sympa ou pas? C'est assez profond. Hop. Ensuite on a ceci que j'avais acheté je crois avec ce rêve bleu
qui est totalement neuf, j'ai jamais utilisé. Franchement, c'est trop beau, mais j'ai pas l'utilisé. Voilà, je préfère me faire 8 balles sur Vinted. Parce que voilà, je vais pas l'utiliser. Donc ça se présente comme ceci. C'est du Disney, hein, 100% Disney. Une petite tache là. Ah non, c'est un bout de pâte à modeler. Et en fait, à l'intérieur, t'as un petit kit comme ça. Et voilà, ma chouquette, ça va lui faire plaisir 30 secondes. Et puis après, elle va s'en foutre. Hop, t'as un petit carnet comme ceci. T'as une petite gomme. Un taille crayon, il est trop beau. Hop, là. Je l'avais l'autre jour, le nom de la princesse et la grenouille. Et Tiana. Tiana. Je crois que c'est Tiana. Hop, des crayons en bois. Un petit truc là à l'ancienne, une petite colle avec Cendrillon, ouais c'est Cendrillon, et des crayons de couleur. Trop joli, trop trop beau. J'ai ensuite, hop c'est tout, j'ai cette boîte là. Bon, là il y a un petit truc là, mais je pense que ça peut s'enlever. Une boîte de mémoire, memory, comme ceci que j'avais acheté chez Action. Hop, hop, et j'ai la même version. Garçon, on va dire. Marron, comme ceci. Enfin, gris. Je suis fatiguée de ouf. Voilà ce que j'ai, ce que je vais mettre en vente sur mon Vinted ce soir. Faut que je trouve la motivation. Mais je vous avouerai que je ne l'ai pas trop. Voilà, je ne l'ai pas trop. Sinon, j'ai trop hâte de ouf d'ouvrir mes colis qui sont juste derrière moi. Là, j'ai tellement hâte qu'ils sont là. J'ai trop hâte de ouf. Mais faut que je me détende. Mon mec est parti chez un pote. Je vous avouerai que je me suis dit vas-y, je vais faire le joint, mais j'ai trop la flemme de faire le joint. J'ai la flemme de ouf. Je le ferai demain. Au pire, c'est bon, on va pas s'exciter. Demain, je vais avec une pote faire des extensions de cils. J'ai jamais fait ça de ma vie. Nani devait me le faire il y a pas très longtemps, mais on n'a pas pu se pécho. Et là, ma pote, si elle aime, me dit est-ce que tu veux venir parce que ça fait longtemps. Je lui dis faut que je teste. Je lui dis oui. Donc voilà, demain je vais faire des extensions de cils. Je vais pas faire un truc de ouf. On va voir ce que ça va donner, on va tester. Allez, je vais me motiver de ouf pour faire les photos. Ensuite, faut que je copie mon tableau là en mettant tous les trucs importants de YouTube. Je l'ai fait tout à l'heure, mais en fait le truc était à l'envers. Je l'ai mis à l'envers, je suis dégoûtée. J'avais bien écrit et tout, je m'étais pris la tête. Donc j'ai fait mes photos, j'ai fait mon tableau. Et ensuite je vais me poser un peu, j'ai fait un peu de montage, j'ai fait déjà un montage tout à l'heure d'un haul action. Je vais bien faire un deuxième montage et ensuite je vais essayer de faire une fausse carte de fidélité action tout simplement pour un TikTok. Voilà, parce qu'en ce moment on parle beaucoup de la carte de fidélité action. Grosso modo la carte de fidélité action, les meufs, c'est juste pour le moment tu as ton ticket de caisse sur ta carte de fidélité numérique. Je vous fais des bisous, je vous retrouve d'abord. Si tu veux être sur YouTube, ah, on veut être sur TikTok, mais on veut pas être sur YouTube. Mais là, s'il y a pas de filtre sur YouTube. Il y a pas de filtre sur YouTube. On a montré un cheveu. Je viens de faire les cils, mais là on voit rien. Enfin, si on voit, mais la luminosité. Attention à la police. Viens, on y va. La luminosité est un peu pourrie, mais je viens de faire les cils et c'était marrant parce que j'ai une pote à moi qui fait les TikTok. Du coup, elle était en live. Attention la police. Hein, elle était en live et du coup, bah, elle a filmé tout le truc. Pourquoi tu veux pas te montrer? Il n'y a pas d'affilte. Boum boum. Gars, je suis à King Jouet parce que je veux racheter un calendrier de l'Avent pour ma petite nièce. Regardez ça comme c'est mignon. Alors, les personnages, je les aime pas. Mais les petits patronus là, on les voit pas bien. Ils sont trop beaux. Il y a cette voiture là aussi, je la trouve trop belle. Elle est super jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime ça. Coucou les gars, on est parti faire un petit tour à Jiffy, à Servon, à Eden. Et ça me vénère de ouf. De ouf, mais de ouf, sa maman la chauve en fait. Je suis passée pour une con en plus. Parce que j'avais un avoir de 38 balles. 38 balles, c'est 40 balles quoi, tu vois. Je l'ai checké. Je l'ai pris juste avant de partir. C'était dans mon sac, dans la voiture. Je l'ai pris, tac, tac, tic, tac, tac, tac. Et je l'ai mis dans mon sac, là. Et arrivé en caisse, je cherche mon avoir partout. Impossible de le retrouver. Là, je viens d'aller dans le magasin chercher par terre, là, comme une bouffonne. Je le trouve pas. Donc, peut-être que je l'ai posé à la maison.
c'est possible, j'espère. Parce que franchement, 40 balles, vu que si j'avais pas, il n'y a pas la carte de fidélité, je sais pas quoi, je l'ai pas retrouvée. Enfin, il ne peut pas le retrouver, le mec. Mais franchement, ça me fait yesh. Alors déjà, je vais jamais à Jiffy. Je vais jamais de ouf à Jiffy parce qu'il n'y a pas grand chose de. Il y a des petits sucs à droite à gauche, ouais, mais je trouve ça cher pour ce que c'est. Là, je me suis dit, vas-y, on va aller à Jiffy exprès pour dépenser l'avoir. Tu vois, le truc, ça fait genre un an que je l'ai. Mais ça me vénère. J'espère de ouf que je vais le retrouver ce soir. Mais franchement, ça me saoule. 40 balles foutues en l'air, ça me fait chier. Du coup, parce que en fait, quand on est arrivé, j'étais au téléphone, enfin, j'étais en train de parler à Nani. Donc je me dis, vu que j'avais mis peut-être dans la poche de mes fesses, peut-être que je l'ai perdu à ce moment-là. J'ai refait les marches et tout. J'ai ramassé 2-3 tickets bancaires par terre, mais c'était pas bon à voir. Ouais, j'espère de ouf, je les pose à la maison. Parce que je te jure, ça va me gonfler. Ça va me gonfler de ouf. Bonsoir. Bonsoir. J'avoue, c'est pas mal, Cécile. Même si je trouve que ça fait pas naturel de ouf, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve en fait qu'ils sont pas assez fournis. Et Nani, si tu passes par là, dis-moi si tu peux faire mieux. Bon, bref les gars, bon c'est cool, je suis pas du tout maquillée, c'est pas mal. Bref, je voulais vous faire un petit haul Jiffy. J'ai fini, c'était de chez nous. Un petit haul Jiffy des familles. Bang ! Je vais vous montrer les trucs que j'ai achetés. Je vais essayer de me caler quelques barres là, t'as vu, bang bang. C'est pas mal ça. Où est-ce qu'elle est là? L'ordinateur est en train de charger le vlog de la semaine dernière. Ouais bébé, on est bon, on est bon. Alors du coup, je monte ça, j'en ai pour 53€ et je suis vénère de ouf comme je vous l'ai dit. J'ai même pas eu le temps de regarder si j'avais eu, si j'avais trouvé le ticket de caisse, s'il était là, s'il traînait tout simplement parce que, on est rentré tard. Quel bazar. On est rentré tard, on a mangé à 57,38€. Ça pique de ouf. Surtout que j'ai pris des trucs juste pour prendre des trucs pour l'avoir, tu vois. Et ouais, donc je disais, on a mangé tard, on a mangé à stick and cheese, je sais pas quoi. C'est trop cher pour ce que c'est. Et c'était vraiment pas bon. Donc j'ai pris des bonbons, pour les montrer, mais ça c'est parce que j'ai fait des génies. Mon fils a pris. Attends, je vais vous donner les prix. J'essaie de faire ça bien. Le ticket caisse, il est énorme, hein. Pourtant, il commence là, il s'arrête là. Hein, tu vois. Après là, c'est quoi du coup? Jiffy, le jeu, nani, nanin, tirage au sort, mais là, ok. Alors, circuit lumineux, 8,89€. J'ai pris un petit circuit comme ça, mais là, vraiment, il est petit, celui-là. Il y a une petite voiture avec, mais franchement, ces trucs-là, je vous avais montré quand on était en vacances, quand c'était les travaux chez nous et qu'on était chez Doudou. Ce truc-là, il est très, 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 très bien. Donc, c'était 9 balles. 9€ pour 10 centimes. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je pense que c'est le sac. Paille Halloween, 1,29€. Hop. Paille Halloween, c'est mon mec qui a pris ça. Des poils comme ça. Hop. 1,29€, 6,89€, ballon LED. Hop. Pareil, ça, c'est mon mec qui a pris ça. C'est des ballons avec des LED dedans. Je sais pas comment ça fonctionne. Ouais, il a pris ça. Je pense que c'est pourri de ouf et c'est quand même 6 balles, tu vois. Ensuite, ballon LED. Ah non. Si, ballon LED, ouais. Pourquoi il y a. Ah non, ballon x 100, 5 balles. Ballon comme ceci. Et c'est tellement cher par rapport à Action. Et franchement, c'est pas une qualité de ouf. Billes collection. Ah ouais. Elle a pris. Ma fille a pris des billes comme ceci. C'était du coup 3,29€. Des billes, voilà. Classique, basique. J'ai envie de se dire. Ensuite, jeu de cartes Disney. J'ai pris un jeu de cartes comme ceci pour tester. C'était 7€. Je vais l'ouvrir tout à l'heure. Je vais voir ce que ça va donner. J'ai tellement hâte de me poser dans le canapé. Là, t'es pas prêt. T'es pas prêt. Mon mec a pris des bonbons M&M's pour 4,99€ comme ceci. Ah non, la poche, c'était 30 centimes. Les abouches de ouf. Donc des bonbons comme ceci. Hop. Poche Jiffy. Secret tête, serre-tête de Noël. 1,30€ pour ma petite chouquette. Hop. Trop mims. Malteser, 5 balles. 5 balles ça, non, ils se foutent de la gueule du monde, sérieux. Il y en a 775. C'est abusé de ouf ou pas? C'est abusé de ouf. Livre, pas de patrouille, 5€. 5€ livre, pas de patrouille. Serre-tête Halloween, 2,99€.
un peu cher ou pas. Je trouve, du coup, voilà. Pas possible de faire ça. Voilà, du coup, les petites choses que j'ai achetées. Ah, j'ai fait des idées de déjeuner. Coucou les loulous. Juste, je vous prends vite fait parce que je vais aller manger avec une pote pour vous dire, pour vous montrer mes derniers achats. J'ai acheté ça, enfin on a acheté ça avec une pote en commun. C'est un petit coffret, mais en fait on peut même pas l'ouvrir. Bref, si attendez, je vais essayer. Un petit coffret de Body Shop à 33 balles. Franchement, c'est pas donné, mais elle avait la carte en fait, ma pote. Ouais, non, c'est une grosse galère. Mais on lui a pris une crème hydratante, une crème pour les mains. Et je crois, une crème hydratante, une crème pour les mains, une crème pour le corps à l'amande. C'est ma pote qui a choisi. Et on est passé aussi, pendant notre pause, on est passé au magasin normal. Et j'ai pris des palettes. Et en fait, il n'y avait pas le prix des palettes. Ah, et ma pote, elle m'a acheté ça. Elle m'a acheté ceci, ma pote. Une petite crème à la vanille. Hop. Vanille pumpy. Donc ça, c'est plutôt cool. Petite crème pour les mains. Hop. Et donc du coup on est allé à Normal et il y avait des palettes make-up Révolution. Révolution make-up, ouais, Révolution Beauty, enfin Révolution, bref, t'as compris. Et pas le prix, je les ai pris et tout, je me suis lâchée et j'arrive en caisse. Elle me dit 50 balles. J'ai fait pardon. Et je me sentais pas de ne pas les prendre. Tu vois, j'étais con. Et du coup, le soir même, il y en a une autre aussi que j'ai pris, mais j'ai prêté à ma boîte. Le soir même, j'étais sur le site Makeup Révolution. En fait, elles étaient à 5 balles. Elles étaient à 10 euros de base et à 5 balles prix barré avec une réduction. Donc en gros, si vous allez à Normal, n'achetez pas les palettes Makeup Révolution parce qu'elles coûtent 3 fois le prix ou 2 fois le prix que vous pouvez les avoir en magasin. Donc c'est un truc de ouf. Mais sinon, à Normal, j'ai pris un petit... Alors je pense que c'est un calendrier de l'Avent. Il y a plein de calendriers de l'Avent différents. Beaucoup de calendriers de l'Avent spécial bonbon et un petit peu beauté. J'ai pris ça, je pensais que c'était un calendrier de l'Avent. J'ai mal regardé, mais en fait c'est plusieurs barres Rizis comme ceci. Et j'ai l'impression d'être une petite vieille, acheter toujours les mêmes cadeaux à ma petite nièce. Toujours des Rizis, des masques pour le visage et un petit pot de Nutella. Toujours, tous les ans c'est la même chose, c'est comme les petits vieux. J'ai pris ça, je sais pas du tout ce que c'était 80 centimes, le calendrier c'était 9 balles. Et donc du coup les palettes de maquillage, j'en ai une autre, c'est Simba, mais je vais les rendre. Je vous dis tout de suite, je vais les rendre directement. Alors celle-là, alors il y a celle-là, il y a celle-là, et la dernière c'est Simba, mais je l'ai prêtée à ma pote. Celle-là elle est comme ceci. Les couleurs sont super jolies, hein. Mais je ne vais pas les garder, je vais les racheter. L'autre elle est comme ça. Super beau, voilà, mais sur Makeup Révolution, vous les avez à 5 balles. Voilà, 10 euros, 15 euros, 15 euros chez Normal. La grosse arnaque du siècle. Grosse arnaque du siècle. Du siècle, autant pour moi. Vous avez un petit packaging. Vous avez un petit packaging primaire, comme ceci aussi. Pour information. Mais je vais tout rendre parce que franchement, c'est du foutage de gueule de ouf. Et en plus, les prix n'étaient pas affichés. Les prix n'étaient pas affichés. Et ouais, quand il m'a dit que j'en ai pour 50 et quelques euros, vu que j'en avais pris 4, j'ai fait quoi? Ah, je te donne ma carte bancaire, mais j'avais qu'une envie, c'était que la carte bancaire elle passe pas. Alors, du coup, le canapé que je vais prendre, c'est celui-là, le Porto. Et moi, je vais le prendre en tic-tic-tic, pas compact, mais de place, comme ceci. Il est assez cher, on avoue, mais une petite promotion en ce moment, mon 10%, c'est toujours ça. Et il est comme ça. Il est comme ça, et moi, je vais prendre le gros accoudoir là. Voilà, c'est acheté, je suis en train de l'acheter. Voilà, voilà, mais je l'ai qu'en janvier. Cool les gars, la fille qui a l'air trop heureuse. La fille qui a l'air trop heureuse de ouf. Je suis trop contente de ouf parce que aujourd'hui j'ai Vérissure, un agent de Vérissure qui est venu à la maison et j'ai passé un agréable moment. Voilà, si Kevin, bon, Kevin, bah, il s'appelle Kevin, hein, j'allais dire on va l'appeler Kevin, mais il s'appelle Kevin. Si tu passes par là, et ben merci juste énormément. Je vous en parlerai plus tard, mais on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. On va aller chez Vérissure. Chut Kevin, chut. J'en ai pas parlé à mon mec. Je vais essayer de trouver le moment opportun pour lui parler de tout ça et tout, parce que lui n'était pas chaud patate. Mais j'ai signé le contrat. Voilà, j'ai signé le contrat. Je vous en parlerai plus tard quand il viendra à la maison. Normalement, il revient à la maison jeudi. Et jeudi, on installe tout ça, les machins, les caméras, les trucs, le brouillard, le quantique, tout et tout. Alors, j'ai pris la totale. Alors, j'ai la partie, hein. Sécurité de la maison avant tout, j'ai envie de te dire. Donc, trop bien. Franchement, commercial au top. Au top, au top, au top, au top, au top. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Je suis excitée de ouf. Enfin, je n'ai pas vu mon petit mouvement de bassin qu'elle avait. Je suis excitée de ouf. J'ai reçu 2 gros colis Vinted. Les gars, j'ai tellement hâte. Je pense que je vais le faire peut-être ce soir. Là, je suis tellement excitée là. Je suis excitée de ouf. Pourquoi pas faire ce soir? Mais la lumière est un peu dégueulasse. Je suis un peu jaune, tu vois. Je sais pas si c'est une bonne idée, quoi. Et puis, je suis tellement excitée que je vais aller les gamins. Bref, j'ai ouvert
Venez avec moi, on se balade, on se balade. J'ai ouvert le calendrier de l'Avent, Malmessie, le gros, celui où t'as plusieurs choses à l'intérieur, et je les ai ouverts avec les enfants. Ils aiment bien, ça va être... Alors, j'ai pas, peut-être vous montrer pas les choses. Je suis jaune, attendez, je change de réglage, c'est pas possible là. Voilà, comme ça maintenant je suis blanche comme un cul, on aime, on adore. Donc je disais que j'avais ouvert le calendrier de l'Avent avec les enfants, on va l'ouvrir avec les enfants. Donc je vais vous montrer plusieurs cases quand je vous montrerai le calendrier. C'est celui-là, vous avez tous les liens, quoique là je suis belle, tous les liens en barre de description, mais c'est celui-là que je vais ouvrir maintenant en ce mois de novembre. Et vous avez tous les liens en barre de description, si vous voulez l'avoir, vous avez des grosses réductions et tout, donc n'hésitez pas. Et comme je disais, je vais l'ouvrir avec les enfants, donc je vais vous montrer souvent plusieurs objets, pas que un tous les jours, parce que j'ai deux enfants, pour pas faire de jaloux, on ouvre au minimum deux cases par... on attend deux jours, on ouvre deux cases, tu vois un peu l'idée. Donc on a reçu... Dans la première case, c'était ceci, un petit muesli comme ceci. Et moi, tous les jours, je mange mes kiwis avec mes muesli différents. Et c'est juste trop bien. Des fois, j'en mets un entier avec mes kiwis et des fois deux. Donc là, c'est celui Save the Ocean. Comme ceci, à l'intérieur, on a quoi? On a du crunchy flocon dépoudré quinoa, du crunchy au cacao, quinoa, griotte. Et voilà. Je se présente comme ceci. On a eu en deuxième une petite barre. C'est trop bien. En fait, dans ce calendrier-là, vous n'avez pas que des muesli, vous avez un petit assortiment que de tout ce que fait My Muesli. Vous avez une petite barre de chocolat. Chocolat coconut. Ça baigne directement dans la réserve, j'ai envie de te dire. Et on a eu un porridge. Je suis pas fan des porridges. J'aime pas trop de ouf. Mais grosso modo, tu mets un petit peu de lait jusqu'à là. Tu mets 2 minutes, ils disent 3 minutes, mais franchement moi 2 minutes ça me va, 2 minutes au micro-ondes, tu laisses refroidir. Moi quand je le mange, je le mets au frigo et je le prends le lendemain. Et là c'est à la pomme et au chocolat. Pomme et chocolat, donc c'est trop cool et j'ai hâte de ouf de voir les prochains. Et ça se pète la gueule. Donc là je suis dans la chambre d'amis et je me dis que, alors un petit peu que j'accélère un petit peu parce qu'il reste plus grand chose, mais voilà, tu vois ici j'ai mis mon tableau YouTube dessus qu'il y a à faire. Et en fait j'ai envie de peindre ce petit truc là. Là j'ai les rideaux, donc du coup faut que je regarde comment mettre une barre à rideaux, mais j'aime bien avoir une barre à rideaux et qu'on voit pas du tout la barre à rideaux, tu vois un peu l'idée. Mais du coup je peux pas foutre la barre à rideaux à l'intérieur parce que ça va faire trop moche. Donc ouais, faut que je la cale là. Petite barre à rideaux des familles. Moi je pense que je vais m'acheter une mini barre à rideaux. Je sais pas à partir de quelle taille ça commence, parce que si c'est 1m50, là il y a 60 cm je crois. Bref. Et donc du coup je vais peindre ce côté là. Là, je sais pas si tu le vois, mais c'est bien crasseux de ouf. Je viens de passer un petit coup d'éponge et tout. Et voilà, c'est bien crasseux, c'est du joint en fait. Donc le joint c'est relou parce que bah t'as de la crasse. Et donc voilà, je vais repeindre ça en blanc. Quoique j'avais pour idée de mettre le fond là en espèce de cool. Mais j'ai même pas oublié mon cool. Il est là. Oh, il est là mon cool. En cool, le fond en cool et le. Ensuite là, les parois. En blanc. Donc je vais faire ça. Je pense que pour commencer, je vais tout peindre en blanc. Demain, on fera le cool. Et c'est quoi ça? Oh non, j'ai niqué mon mur. Je suis dégoûtée. Donc ouais, une petite couche de blanc partout. Et ensuite, je vais ouvrir mes colis chines. Et vu que. J'ai trois vidéos différentes à vous faire, faut que je regarde. J'ai deux cartons, je sais qu'il y en a un autre demain, mais je sais pas s'ils ont mis tous ensemble ou si c'est vraiment. Vu que moi je leur avais fait la sélection par événement. Grosso modo, on a. Je mets là, on a le Black Friday Chine, les soldes Cyber Monday et les grands soldes de Chine à des dates différentes. Et du coup j'ai fait ma sélection en fonction, mais je sais pas s'ils m'ont rangé ça dans les colis comme il faut ou pas. Donc en premier on va peindre ça, ça va être le plus chiant, et ensuite on va ouvrir les colis Chine. J'ai trop hâte, ouf. Je sais pas montrer. ça me pue. C'est compliqué en ce moment, mais quand je peins en fait. Jean-Pierre, quand je peins, moi je peins à l'arrache. Au bout d'un moment, c'est bon, j'en ai ras le pompon. Donc du coup, je fais ça, je prends beaucoup. Il faut faire attention, le plus rouge, faut avoir confiance en soi. Hein. Et bang, c'est parti, des gros coups. Voilà. Mais franchement, à chaque fois, ça le fait. Je m'en sors assez bien. Voilà, je ne me tâche presque pas. J'ai dit presque. Coucou les gars, je suis complètement tarée parce que je viens de tourner trois vidéos. Voilà, je ne sais pas qui est.
Je ne sais même pas où est mon téléphone, mais je viens de tourner 3 vidéos. Et en plus, on va dire 3, mais on va dire... on va dire 3, mais on va dire 3, 4, 5, parce que en même temps que je tournais, j'avais mis un... J'ai mis un deuxième trépied ici, et du coup j'étais en train de faire des doublettes pour faire des vidéos TikTok. Donc du coup c'est pas du tout les mêmes séquences, genre TikTok, je vais dire une connerie mais je te fais un exemple, tu vois. Bon, mes hauls action tu les connais de ouf. Alors j'ai pris ce petit haut là, nanani nanana, il est trop bien, il est très joli, il est comme ça, il a en effet peau de pêche et tout, très joli, franchement j'aime bien, voilà. Et un TikTok ce serait... petit pyjama là, comme ça, ça donne ça. Est-ce qu'on aime ou pas? Et voilà, c'est tout, tu vois. Donc c'est vachement, vachement plus condensé. Et d'un côté, c'est pas mal parce que me mettre sur TikTok, ça me permet d'être des fois un peu plus condensé dans ce que je vais dire. Mais il faut... C'est... En fait, c'est un jeu de blablatage, tu vois. Faut faire la différence entre TikTok qui est un contenu bang, 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 et YouTube qui est un contenu un peu plus posé. Donc c'est pas facile de faire les deux et de pas faire du YouTube sur du TikTok, parce que pour moi c'est deux réseaux sociaux totalement différents, et voilà, t'as pas le même débit et tu vas pas sur TikTok comme quand tu vas sur YouTube. Pour moi, quand tu vas sur YouTube, c'est pour regarder quelqu'un un peu plus posé et de quelqu'un vers qui tu vas être proche. Alors TikTok, ça commence aussi avec les communautés et tout, mais pour moi quand tu vas sur TikTok, c'est pour regarder quelque chose de très rapide. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est cool parce que c'est un bon... Je cherche mon téléphone il est juste là, quoi. Je suis un peu débile. 2h13, pour ceux qui l'auraient été grave plus tard. Ok, ça va. Au final, ça va. Donc ouais, j'ai fait 2 hauls Chine parce que j'ai reçu un gros colis Chine. Donc franchement, c'est trop cool. Je suis trop contente de ouf. J'ai des vêtements à faire essayer aux enfants. J'ai quelques vêtements à mettre sur mon Vinted. Et sinon, il y a plein de choses qui me vont. Donc franchement, c'est grave cool. Et j'ai fait une ouverture de colis. Des colis que j'ai reçus, et je vous montrerai ça bientôt. J'ai un aspirateur, je vous montre parce que là t'es pas prêt. Et j'ai reçu un aspirateur de la marque Ultenic. Alors je crois que, tu vois là, mon débit de parole il est bébé. C'est parce que je viens de tourner 3 vidéos aussi, donc forcément ça reste un peu compliqué. Alors du coup je te montre l'état, parce que là c'est vraiment là c'est la première fois que je filme beaucoup de vidéos d'un coup dans cette pièce, et franchement j'y suis bien. Alors après, à voir ce que ça va donner quand il y aura le canapé, parce que du coup quand il y aura le canapé je pourrais plus être là, je serais carrément plus là, mais ça va être vachement plus serré, mais ce sera toujours moins serré que dans mon dressing je pense. Et donc du coup voilà l'état de la pièce. On va dire que j'ai filmé après il y a encore tout ça, tu vois. Mais grosso modo, ça donne ça. Le bordel. Mais ça va encore, franchement ça va encore. Faut juste que je m'organise bien. Après, quand il n'y aura plus l'échelle, déjà j'aurai un peu plus de rangement. Mais il faut que je pense en fait avoir des choses en hauteur, tu vois, genre tabouret, machin, tubule, pour pouvoir poser les choses. Parce que quand je filme, pour éviter d'avoir à me pencher, je trouve ça assez chiant. Et enfin pour vous, tu sais, quand tu regardes... Ouh, bonjour. Bon, on est bon bâtard. C'est comment? Donc ouais, je trouve ça assez chiant, on dirait une folle la belle. On dirait, comment elle s'appelle la meuf de Harry Potter? La... Comment elle s'appelle la méchante, la qui a les cheveux de... En folie là. Oh je sais plus, par contre c'est un faux bouton ça en fait, on peut pas le fermer. Toujours en mode sexy chocolat quoi. Donc oui, je voulais vous dire que j'avais reçu un aspirateur. Alors attendez, j'essaye de m'organiser. Hop, oui parce que mine de rien dans mon bordel il y a un peu d'organisation. Hein. Hop, ça c'est les choses que je dois mettre. J'ai mis là le panier de rubis, je trouve ça trop bien, comme ça je peux jeter mes affaires là. Hop, alors attendez, ça c'est les vêtements que mes enfants doivent essayer demain, et franchement j'ai des enfants noirs parce qu'ils sont en train de dormir à côté et personne ne s'est réveillé. Oh la tête de folle, Bellatrix l'Estrange, voilà c'est ça. Je veux crier Bellatrix l'Estrange, la folle dans Harry Potter. Ça, c'est des affaires que je dois ramener dans ma chambre demain. On est plutôt pas mal. Et donc, du coup, ouais, nouvel aspirateur Ultenic. Je me suis défoncée cette nuit. Mais comment j'ai fait quoi? J'ai voulu me choper moi-même, tu vois. J'en ai foutu partout. Les petits trépieds, ça fait trop youtubeuse. Très youtubeuse. Regardez-moi ça. J'ai reçu le Master Clean de chez Ultenic. Bing! Bang! On voit rien.
Il dit comme ceci, j'ai trop hâte de tester demain. Parce que, en fait, grosso modo, d'après ce que j'ai compris, bon, après, ça sert à rien de parler pour parler, je vous montrerai demain, mais d'après ce que j'ai compris, c'est un aspirateur qui aspire et qui, en même temps, aspire toute la poussière que t'as chez toi, et en même temps, fait lavette et ne mélange pas l'eau propre et l'eau sale. D'après ce que j'ai compris, mais j'ai trop hâte de tester demain. Technique. Bah, je vous retrouve demain, j'en peux plus, je suis exposée de ma vie. Je vais ranger un peu parce que c'est le bordel. Et je vous dis à demain, mais franchement, là, je suis fatiguée de ouf. Mais je suis fière de moi pour ce petit marathon. En fait, il y a mon mec qui a posé demain. Et je me suis dit bah, que demain, on allait passer la journée un peu plus ensemble avec les enfants et tout. Et j'avais envie de tourner aujourd'hui. Et de toute façon, je sais que demain, j'ai aussi un autre colis qui arrive, un autre colis Chine. Donc, ce serait bien que je tourne dans la journée. Les palettes de maquillage et tout, j'ai trop hâte. Et j'ai une autre vidéo aussi à vous tourner demain. Ah, ou le action aussi. Mais du coup, aujourd'hui, j'aurais tourné 1, 2, 3. Ce matin, j'ai fait. Et j'ai tourné 5 vidéos aujourd'hui. Oh putain, on n'est pas bien. Allez, je vous dis à demain, les gars. Coucou, les gars. J'ai carrément zappé, mais c'est hier soir que j'aurais dû clôturer le vlog. Et je l'ai pas clôturé. Ce matin, j'ai mis la petite devant. C'est horrible de dire ça, on dirait que tu parles d'un chien, tu sais. Devant Blanche-Neige, je voulais regarder Blanche-Neige. J'ai eu le temps de faire des colis vintage. Enfin, des colis vintage, détends-toi. De faire les photos. Et vous êtes déjà nombreux à m'avoir acheté des lots. Donc c'est trop cool. Quand je mets les choses directement sur Vinted, des fois je les mets pas dans les cartons parce que je sais qu'ils vont. Ça va partir et c'est cool parce que vous m'avez pris et des nouvelles choses et des choses qui traînent là depuis pas mal de temps. Donc franchement, c'est trop cool. Ça commence à partir. J'ai tellement hâte d'avoir juste un bac. C'est l'objectif de ouf. Un bac, mais pas blindé. Blindé de fou. Juste un bac. Ce serait trop bien. Il y a un mec qui a posé aujourd'hui. Il est en train de faire la peinture avec les enfants. Et je suis en train de réfléchir à comment je vais occuper les enfants. Ce serait bien qu'on peigne tous ensemble. Mais avec les gosses, c'est un peu compliqué. Je me suis défoncé le nez. Donc là, j'ai fait le montage de ce vlog-là. Il faut que je fasse cette. Il faut que je fasse cette petite séquence-là. Et qu'ensuite, je clôture. Et voilà, on est plutôt pas mal, ça va être... Demain, je travaille. Ah, allez dire, on est plutôt pas mal, on va passer une bonne journée, mais demain, je me lève à 4h du matin. Ah, j'ai pas envie du tout. Mais voilà, on va passer une très très bonne journée, je pense. Je suis dégoûtée de ouf. Mais avant la séquence où je vous montre mon canapé à Habitat, j'avais filmé un petit quart d'heure dans la voiture. Je sais pas du tout ce que je vous disais parce que du coup j'ai pas le son. C'est la troisième fois que ça m'arrive de quand je filme dans la voiture avec mon téléphone portable et de pas avoir le son. C'est trop relou parce que tu t'en rends pas compte quand tu filmes et c'est trop chiant. C'est trop chiant, du coup j'ai une séquence en moins. Désolée, c'est juste avant le canapé. Donc peut-être que voilà, je sais plus ce que je vous disais, mais je vous disais que j'allais à Habitat, que j'allais chercher un canapé. Et voilà, que j'avais fait des choses avant. Je sais pas. Je sais pas ce que je vous disais. Donc voilà, grosso modo. En tout cas, trop cool. De plus en plus nombreux à être sur TikTok. Franchement, ça fonctionne de ouf TikTok. C'est juste trop bien. Je suis trop contente. Et comme je vous l'ai dit hier soir, voilà, c'est une autre façon de voir les choses. Donc franchement, ce moment, je suis grave contente de ouf. La semaine prochaine, rien de prévu. On va continuer. Ça m'a que moi aussi je fasse des travaux hier parce que en fait dans la chambre d'amis j'ai pas fait grand chose à part la peinture, faut que je mette une deuxième couche de peinture et les finitions et après sera pas mal. Mais voilà, petit à petit la pif fait son nid, faut que je fasse essayer ces vêtements là, enfin quelques vêtements aux enfants, des trucs que j'ai reçus sur Vinted, faut que je range ça dans la chambre. Voilà, il faut que je teste cet aspirateur, je vous en parlerai mieux dans un prochain vlog. Ah, mon chouki, il a ouvert la case du jour. On a eu un petit muesli comme ceci, avec du chocolat. Tout à l'heure, j'ai pris un truc au coconut ce matin, et c'était trop bon, coconut chocolat, c'est trop bon. Donc ça, c'était dans la réception du jour, dans le calendrier My Muesli. J'ai reçu ceci. En tout cas, voilà, j'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas si vous avez des questions ou... n'importe quoi. Le mot de fin sera céréales. Je vous fais des gros bisous les loulous. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Plein de bonnes choses. Un bon week-end. Enfin un bon dimanche. Parce qu'on est dimanche au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce vlog. Désolée pour le quart d'heure qui manque. Mais voilà, c'est pas de ma faute. Merci aux membres qui sont toujours là, qui sont toujours présents. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux. Ça fait grave plaisir de ouf. Je vous fais des gros bisous. Voilà. Faites attention à vous. Faites attention à vous, faites attention à vos proches, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les loulous et merci beaucoup.
Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera. Cigario, dans le barrio. Parfum vanilla,